sont connus, sont comme un poème. Who do you love? How do you love? When do you love? Who do you love? Repris. Mais je ne sais pas si les solos de guitare à fond les manettes sont une mélodie pour charmer les oreilles de la première. Car l'oreille féminine est peu encline à la... L'oreille féminine est plus encline à l'appréciation de Jimi Hendrix à Woodstock, comme l'atteste le record du monde, toute catégorie, de montée d'escalier par Manny Ray dans les années 70 pour éteindre le pick-up qui était au max du volume. Vous voilà donc fiancé. Fiancé, comme tous les couples légitimes ici le savent, vient de confiance. Il se trouve, Jean-Baptiste, qu'il est de renommée publique que tu ne t'engages pas à la légère. Les vendeurs d'Intersport parlent encore du nombre de fois impressionnant où tu es passé au magasin avant de te décider à acheter ton vélo. C'est vrai. Ton quoi ? En tant que cycliste, ton vélo. Ça va sûrement dire, je ne peux qu'approuver cette réflexion qui change le béotien en semi-pro. Et qui pousse à choisir un Shimano monté en 54-10 pour la vitesse, plutôt qu'un Campagnolo triple avec cassette étagée 35 pour la montagne. Mais il semble que si tes copains du Mexique t'appelaient canard, pato en espagnol, c'est vrai. Tu n'es pas en retard. Patito. Pato. Pato, patard. Patard. Je... je laisse un peu de temps parce que c'est un peu... Tu n'es donc pas en retard pour choisir ta fiancée. Enfin, traduire ça après, Dixie la signera Patita. Alors évidemment, les fiançailles sont un temps béni pendant lesquels on apprend à se connaître et à se faire confiance. Mais il s'agit pour le fiancé d'éviter quelques erreurs de base. Loin de moi la prétention de donner des leçons, tu vas devoir découvrir peu à peu la sensibilité féminine et faire attention aux signaux que tu transmets. Par exemple, si ta fiancée te demande ingénument « Tu préfères une femme belle ou une femme intelligente ?» ne réponds pas « Ni l'une ni l'autre, je te préfère pas. » La famille de Lucie étant dans les livres, il me faut quand même faire quelques références utiles. Car si Ronsard nous fait décoller avec Mignonne à en voir si la rose. Hop, là je l'ai pris. Oh, et Cyrano continue. Il y a beaucoup de ratures. Avec... C'est un peu dur. Et Cyrano continue de nous élever par c'est moralement que j'ai mes élégances. Aussi, ainsi, je dois finir par ce pastiche entre Ronsard et Ponson, que je vous ai dit à tout. Quand vous serez bien vieux, avec encore l'amour, ben les yeux et déjà dorlotés par l'histoire, direz si ces vers-ci meublent votre mémoire, qu'à coup nous célébrer partout aux alentours. Lors, vous n'aurez aucun de vos petits-enfants qui ne rit à ce nom et ne réclame encore le récit émouvant de ce jour triomphant, ponctué par le son des trompettes et des cors. Nous serons ailleurs, vacants sous d'autres cieux, mais nous rappellerons toujours ce jour fameux où la chapelle à Rang était le centre du monde. Ah, si vous m'en croyez, aux fiancés si mignons, profitez de ce jour de bonheur bien à fond et gardez-en la grâce pour toujours, à jamais.